Et Ouais. qu'est-ce qu'ils disent les voisins ou même les gens qui viennent acheter des produits chez toi quand ils voient tous les arbres que tu plantes? Bah, les gens qui viennent acheter des produits, là c'est que le début, donc je peux pas trop te dire. Après, le peu de voisins trouvent qu'on se complique un peu la vie et que c'est très cher pour ce que c'est, le coût de la plantation de. Des arbres, ouais. Mais bon, après ça, c'est sûr que si on pense à l'investissement qu'on fait, c'est sûr que la retombée, c'est très très loin, quoi. Donc c'est sûr que je peux comprendre le raisonnement, mais je cherche pas plus loin, quoi. Et aujourd'hui, la paille, on l'achète. Enfin, moi, la paille, elle me revient. Enfin, quand c'est sur la litière des bêtes, quasi à 70 euros la tonne. Parce que je l'achète, donc je paye un andin, le coût du pressage, le coût du transport, le coût de la distribution. Donc 70 euros tonne, 120 tonnes à acheter, ma paille, elle me coûte 8 400 euros par an. Donc si je la réduis de 50%, j'économise 4 200 euros. Et pour la réduire de moitié, j'ai besoin de 120 à 130 mètres, ouais, 130 mètres cubes, je crois que j'ai utilisé là. Et donc, 130 mètres cubes, on n'arrive jamais à 4 200 euros. Donc, le calcul il est vite fait. Sans compter l'apport au sol, après que. Ça, je ne sais pas, il n'y a personne qui sait nous le dire pour l'instant, ce que ça va nous apporter, mais. En plus, nous ici, on est sur des rotations 4 ans prairie temporaire et 2 ans de culture. Donc des métayers ou. Là, il va y avoir un peu de céréales, un peu de pommes de terre. Et ça fait depuis 1985 qu'on apporte du PRP aussi au sol. Donc, enfin, les analyses de sol ici, on est à plus de 3%, 3,5% de matière organique. C'est le sol qui tourne. Donc, je pense que ça va redonner un coup de fouet supplémentaire. Et puis, ben, moi, j'ai plus. Si je veux gagner de l'argent en bio, j'ai plus le droit d'acheter quoi que ce soit, je trouve. Donc, ouais. Là, ici, je vais replanter une haie aussi. Parce que l'intérêt de la haie aussi, c'est que c'est un filtre à phyto, quoi. Allez, parce que là, c'est le voisin, là. Ouais. C'est ça. Puis les vents, et le vent dominant, il est là, là. Et alors? Ah, tu veux replanter Là, de la ça haie? va être planté. Pardon, j'ai Puis pas. on va aller voir celle qui était plantée il y a 3 ans.